Je vais commencer avec deux questions. Parmi vous, ici, qui a vraiment envie de passer 2 heures par jour dans le métro à La Défense pendant 25 ans, dans un wagon qui pue? Et parmi vous, qui a vraiment envie de passer le reste de sa vie à gratter des RTT pour payer vos vacances d'été? Une petite ref, Lorelsan, notre ami. Bon. Pardon pour l'intro, je me suis un peu emporté. Emporté, comme il y a quelques années, quand j'étais moi aussi en école de commerce, assis dans un amphi, et que j'ai décidé de tout plaquer parce que j'étais perdu. C'est un peu la seule façon que j'ai trouvé de le dire pour ne pas frustrer mes profs. Mais globalement, je m'ennuyais très fort. Alors, je dois vous avouer que ça a peut-être duré plus de 6 jours avant que je décide de me lever et de quitter la pièce, puis l'école, carrément la ville dans laquelle j'avais commencé à étudier. Ne le faites pas tout de suite, hein, attendez au moins qu'on finisse. Quitter un système dans lequel je ne me reconnaissais pas, et où j'avais l'impression très personnelle qu'on me formait au métro, boulot, dodo, et qu'à 80 ans, j'allais regretter d'avoir pris cette voie. Des métiers trop éloignés d'Internet avec qui on a grandi, de ce qu'on comprend le mieux, le plus rapidement. Typiquement, on est la première génération qui ne demande pas à nos parents comment faire quelque chose, mais à Google, YouTube, récemment ChatGPT. Et pour vous parler un peu de moi, parce que comme on a plus ou moins le même âge, vous allez pouvoir facilement vous reconnaître dans les illustrations, j'ai créé mon premier petit business à 14 ans, je dirais, où je recopiais les œuvres d'art de l'artiste Invader, tous les petits dessins qu'on voit en pixels dans les rues des grandes villes du monde. Et pour y arriver, bah, tout simplement, je regardais des vidéos de lui en train de pratiquer sur Dailymotion et je recopiais. Et ça peut vous faire rire, on est avec ce petit business dans ma chambre, j'ai gagné mes premiers petits milliers d'euros, et quand t'as 14 ans et que tu ne demandes plus d'argent de poche à tes parents, t'as un déclic qui est que tu réalises qu'avec Internet, le champ des possibles est immense. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pas uniquement pour vous parler de moi. C'est plutôt pour illustrer de manière très concrète les 4 grandes phases de l'évolution des métiers dans l'histoire de l'humanité. Alors d'abord, on a eu un premier monde où on travaillait exclusivement avec nos muscles, en tant qu'artisan, ouvrier, agriculteur. Et ça, c'est le monde de la découverte de l'agriculture et toutes les choses positives qui en ont découlé. L'exemple simple, c'est de dire qu'avant, si tu voulais boire de l'eau, bah, il fallait attendre que les porteurs d'eau de ta ville viennent t'apporter ce qui compose 70% de ton corps, alors qu'aujourd'hui, bah, si tu veux boire de l'eau dans une ville développée, tu ne fais pas le dessin, tu ouvres ton robinet. Ensuite, on a eu un deuxième monde, celui de l'industrialisation. Je ne vais pas vous refaire le cours que vous avez tous eu au collège et au lycée, pour savoir de quoi je parle, mais en gros, c'est quand on a compris que pour traverser les États-Unis, c'était beaucoup plus simple en train qu'en cheval. Troisièmement, et c'est là que ça devient intéressant, il y a eu le monde de la tertiarisation. Bon, derrière ce mot un peu barbare, on a un changement sociétal global et très profond. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a certains pays qui sont très peu tertiarisés. Mais en gros, cette période, en France on l'appellerait les 30 Glorieuses, c'est une période qu'on n'a pas connue ici, mais qui apparemment c'était la folie, et c'est quand on découlait les bullshit jobs, typiquement des happiness managers. Et finalement, depuis les années 90, on assiste à des changements immenses. On a Paco Rabanne, le mec des parfums 1 million, qui annonce la fin du monde dans les années 2000. On a un mec qui kiffait les pommes, qui nous a donné accès à des téléphones et des ordinateurs incroyables sur lesquels on passe plein de temps. Et finalement, c'est ça qui est marrant, c'est peut-être grâce ou à cause de cette période qu'aujourd'hui tu peux devenir richissime en vendant des photos de tes pieds sur Internet. Et cette époque, c'est celle à laquelle on grandit, c'est la révolution numérique. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'à la vitesse à laquelle évolue cette révolution, des nouveaux métiers apparaissent tous les jours. À l'époque de nos parents, on allait avoir un métier dans sa vie, dans peut-être une ou deux entreprises différentes. Tu commençais chez Peugeot et tu finissais chez Peugeot ou chez Citroën.
À notre époque, on peut changer 4, 5 et jusqu'à 10 fois de métier au cours d'une vie professionnelle. Tout simplement parce que l'accès à l'information est devenu une commodité. Là où avant on se référait qu'à ce que nous disaient nos parents et nos grands-parents, aujourd'hui, si tu veux tout savoir sur un métier, c'est possible en 2-3 recherches. Les conditions de travail, les salaires, et il y a même des gens qui documentent leur quotidien au travail sur Internet. Même Macron le fait. Et d'ailleurs, l'INSEE qui nous dit que si tu te lances dans une carrière professionnelle aujourd'hui, tu as de fortes chances de changer 4, 5 à 10 fois de métier au cours de ta vie. Et Pôle emploi, c'est encore plus fou, nous dit que c'est jusqu'à 15 métiers différents au cours d'une vie professionnelle. Et on sait à quel point Pôle emploi aime les stats. Et tout ça, c'est tout simplement parce que les gens veulent avoir de meilleures conditions de travail, des métiers qui font plus de sens pour eux, et dans lesquels ils vont pouvoir se plaire et changer rapidement. Pour reprendre mon histoire, mais avant de la reprendre, je vais avoir juste besoin de vous sur une intervention. Je vais vous donner un exemple des métiers auxquels on peut accéder aujourd'hui. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Levez la main si vous avez déjà utilisé un ordinateur. Levez la main si vous avez déjà passé un peu de temps sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat. Et levez la main si vous avez déjà consommé du contenu vidéo, par exemple sur YouTube. Bon, vous avez tous levé la main. Sinon, c'est que vous viviez dans une grotte. Je ne jugerai pas. Mais ça veut dire que vous pouvez tous devenir, par exemple, développeur web. C'est un métier qui consiste à créer des logiciels sur le web à l'aide unique d'un ordinateur. Community manager, un métier qui vise à créer du contenu et une marque digitale pour les entreprises sur les réseaux sociaux en partant uniquement de ce que vous scrollez toute la journée. Ou encore monteur vidéo, toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube, elles ont été montées par des monteurs vidéo. Et pour que vous réalisiez à quel point il y a de la demande sur ces marchés, je vais vous donner deux exemples concrets. Sur YouTube aujourd'hui, chaque minute, il y a plus de 500 heures de vidéos qui sont publiées. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 500 heures de vidéos qui sont montées. Ça vous donne l'idée de la demande quand on est monteur vidéo. Sur Instagram, chaque jour, c'est plus de 100 millions de photos et de vidéos qui sont publiées. Et cette statistique est multipliée par 4 chaque année. Et Instagram aujourd'hui héberge plus de 25 millions de profils entreprises. Ça vous laisse encore une fois une idée de la demande qu'il y a quand on est par exemple community manager. Et donc pour reprendre sur mon histoire, en quittant les bancs de l'école, sans l'accord de mes parents, j'avais pas d'autre choix que de me bouger pour travailler. Et à ce moment-là, il y avait deux options. Soit j'allais avoir un job alimentaire, soit j'allais me bouger un peu plus pour avoir un métier dans lequel j'allais m'épanouir, qui faisait un peu plus de sens pour moi, avec lequel les conditions de travail allaient être plus alléchantes. Vous imaginez bien, j'ai choisi la deuxième option. Résultat, je suis devenu freelance en web design. Freelance, ça veut dire indépendant, pour ceux qui le savent pas. C'est travailler pour toi. Donc en web design. Et tout ça en partant uniquement d'un modèle sur Instagram, parce que comme je vous l'ai dit, l'information est abondante. Et ce modèle, c'est Michael Philippuc. C'est un freelance web designer, un des meilleurs du marché, qui documente sa vie, ses conditions de travail et ses missions sur Instagram. Et ça n'a pas été facile au début de se former. Je vous avoue, c'est le seul gros problème, c'est que c'est dur quand tu es seul. Donc, j'ai commencé d'abord sur YouTube, à regarder des tutoriels, mais bon, ça marchait pas. Donc je me suis dit, je vais pratiquer. J'ai téléchargé un logiciel, Figma, pour ceux qui connaissent, sur lequel on design des trucs sur l'ordi, et j'ai passé une journée entière à juste regarder mon ordi sans savoir comment on utilise ce logiciel. Et ça jusqu'à que je rencontre des mentors qui étaient passés par là où je suis passé, et des amis qui avaient les mêmes objectifs de formation que moi. Et là, mon apprentissage s'est débloqué complètement. On s'était créé notre mini-communauté d'apprenants où on pratiquait toute la journée sur Figma en se basant sur les tutos YouTube. Donc oui, ça manquait de cas pratiques, mais en fait, la motivation commune nous a permis de tenir et d'apprendre. Je me rappelle même de mon premier client pour qui j'avais passé une nuit blanche pour sortir une daube pour seulement 100 euros.
Mais ce client, j'ai eu la chance qu'il croit en moi et qu'il me dise « Ok, on va continuer pour pas cher au début jusqu'à que tu deviennes compétent. » Donc oui, il ne faut pas croire que c'est facile et ça demande une certaine humilité de travailler pour pas cher au début, mais avec de la motivation et un peu de plaisir, même si ça paraît bateau, bah, ça finit par réellement se débloquer. Et donc, quelques mois plus tard, il y a 2 ans, je cumulais des clients en web design. J'arrivais à facturer pour quelques milliers d'euros de quoi vivre tous les mois. Et là, quelque chose s'est passé. Bah, pas mal de potes me disaient, bah, moi aussi, je veux faire ça. Et moi aussi, en fait, je veux pouvoir voyager et travailler en même temps, avoir ces conditions de travail qui sont beaucoup plus favorables en fait que ce vers quoi je suis censé aller. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais essayer de les conseiller. Sauf que je ne savais pas quoi leur conseiller, parce que apprendre seul sur YouTube, c'est l'enfer, en fait, t'as le mauvais syndrome de ne pas pratiquer et il n'y avait pas d'école pour apprendre ce métier rapidement. Alors, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de me poser avec eux et de leur expliquer comment on fait, etc. Sauf que j'avais pas le temps parce que j'étais encore freelance et j'avais pas la structure. Bon, résultat des courses, je leur ai donné quelques ressources, mais ils ont tous fini par abandonner parce qu'ils étaient seuls. Et à ce même moment, je rencontrais d'autres personnes qui avaient choisi les métiers numériques. Mon pote Ben, qui était footballeur, puis devenu freelance en marketing digital après s'être fait les croisés. Florent, qui n'a jamais autant gagné sa vie que quand il vendait des serveurs Minecraft à 13 ans. Et enfin, Corentin, qui aidait les entreprises à se développer en ligne alors qu'il vivait au fin fond de la Bourgogne. Comme quoi, Internet n'a aucune frontière. Et tous les quatre, on avait un point commun. C'est que nos entourages respectifs nous demandaient comment on avait fait pour entamer cette voie des métiers numériques et nous demandaient de les aider. Et donc on s'est mobilisé pour créer l'école référente pour apprendre un métier numérique, travailler dans de meilleures conditions, pouvoir voyager et travailler en même temps, etc. Des métiers qu'on apprend en quelques mois seulement. Et aujourd'hui, on a créé plusieurs programmes sur ces métiers-là, en se basant sur la pratique à 80% pour pouvoir apprendre rapidement. Nos professeurs sont des praticiens, donc les meilleurs freelances qui sont encore sur le marché. On leur demande de continuer à travailler pour toujours être à jour sur l'évolution des métiers. Et tout ça sur une plateforme qui ressemble à un jeu vidéo, un cours guidé en fait, en quelques mois, en garantissant le travail aux gens à la fin. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a énormément de demandes sur ces marchés, donc on peut se le permettre. Et le tout dans le but d'enlever un maximum de friction dans l'apprentissage des nouveaux métiers numériques. Parce qu'ici, je devais répondre à une question qui était en quoi le numérique amène des nouveaux métiers. Sauf que pour moi, la question la plus intéressante, c'était, d'accord, le numérique amène des nouveaux métiers, on les connaît parce qu'on les voit tous sur Internet, mais comment on y accède? Et donc voilà, on a créé cette école, et aujourd'hui, on a formé en 2 ans plus de 1500 personnes qui ont choisi de se lancer dans le numérique et qui aujourd'hui ont réellement changé leur vie comme j'aurais aimé avoir cette école au moment de me lancer et l'école, c'est en fait l'école qu'on aurait tous aimé conseiller à nos potes. Donc voilà, globalement, si on voit qu'à l'époque de nos parents, c'était long les changements sociétaux dans les métiers et qu'aujourd'hui ça va très vite, on peut se dire les métiers numériques vont disparaître très rapidement et se renouveler tout le temps. Pourquoi se lancer dans un métier qui va disparaître dans 2 ans? Alors qu'à l'époque, les métiers restaient. Donc il y a une petite citation sur laquelle j'aimerais finir qui illustre bien, c'est que le jeune court plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Donc les métiers d'avant, ils vont avoir une route un peu plus longue, les métiers nouveaux vont se transformer, mais si on arrive à mettre les bonnes pratiques pour pouvoir s'y former rapidement et changer de métier rapidement, comme nous disent toutes ces institutions basées sur des stats un peu bidons, bah, on finira par y arriver. Et voilà comment le numérique a amené des nouveaux métiers. Merci.